vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Alors on va se rapprocher après la caméra, mais je voulais vous montrer tout ce que j'ai réussi à avoir. Donc on est allé faire les courses. Je n'ai jamais eu aussi peu de choses pour aussi cher. J'en ai eu pour 155 euros. Pour ça, d'habitude, pour tout ce qu'il y a là, j'en ai pour environ 100 euros. Là, je sais pas si c'est passé, je pense qu'il y a une augmentation des prix, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris moins de choses que d'habitude et j'en ai pour beaucoup plus cher, quasiment le double du prix. Donc, je ne sais pas. Bah écoutez, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et puis, bah c'est parti. Donc, j'ai réussi à avoir du PQ. Donc, il y en avait beaucoup, il y avait toutes les sortes. On a pris le moins cher parce que vraiment là, on commençait à en avoir pour cher. Donc j'ai pris 12 rouleaux de papier toilette. Voilà, c'est l'indispensable en ce qui paraît en ce moment. Donc écoutez, j'en ai repris. Enfin, j'en avais plus du tout en fait, donc c'était une catastrophe. Après oui, on peut se laver les fesses sous la douche, blablabla. Mais le PQ c'est la vie, je suis désolée. Donc j'ai pris ensuite des bananes. Donc 2,47€ j'ai payé. Donc de base, moi je le paye 1,50€ le kilo, là c'était 2€. Ensuite, là c'était 2€ le kilo des poireaux. Donc ça on en mange beaucoup des poireaux, donc j'en ai pris 1, 2, 3. Bon, je pense que j'ai pris 2 kilos. J'en prends toujours 2 kilos, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Donc ça dans les soupes, dans les petits plats, etc. j'en fais énormément. Donc c'est mon principal aliment de confinement. On va mettre ça là. Pour l'instant. Donc j'ai pris des oranges à dessert. J'ai peur on a pris des bouteilles de jus d'orange, mais ça a augmenté de malade les prix. Donc j'ai préféré prendre des oranges pour manger ça en dessert. J'ai réussi à avoir de la farine. Mon dieu, c'est un calvaire pour avoir de la farine de nos jours. Donc de la farine, j'ai pris 2 packs parce qu'on fait beaucoup de gâteaux en ce moment. Donc on avait besoin de farine. Donc j'ai pris 2 kilos de farine. Il n'y avait plus d'œufs. Après le PQ, après... il y avait quoi d'autre? Le lait, bah il n'y a plus d'œufs. Ensuite, ah il est ouvert. Mince. J'ai pris du sucre en poudre, donc ça c'est ce que je prends d'habitude, celui de chez Carrefour. J'ai pris du beurre donc pour faire les gâteaux, donc deux trucs de 250 g de beurre doux pour faire les gâteaux, donc j'ai pas trop... Enfin, regardez-moi cette marque, je ne connais absolument pas, donc il y avait que ça. Vraiment, il y avait que ça, il y avait plus rien en beurre, il y avait plus rien. Ensuite, dans les yaourts, ça va au niveau des yaourts, ça avait quand même pas mal. Moi j'ai réussi à prendre 2 yaourts, comme ça c'est mes préférés, c'est ceux de chez Carrefour, je les prends tout le temps. D'habitude je les prends en pack de 10, je crois. Donc là il n'y en avait plus, j'avais que des petits pots, donc bon c'est pas grave, hein. On fait avec. Ensuite j'ai pris 2 fois la laitière, donc j'ai pris ceux-là, c'est ceux que je prends aussi d'habitude. C'est mes préférés et voilà, c'est tout ce que j'ai pris en yaourt. Moi vous me connaissez, d'habitude j'en prends beaucoup des yaourts. Là je me suis dit bon on va rester raisonnable, on va en laisser pour les autres, mais c'est vrai que il y avait du choix, mais c'est plus grand choix je trouve. Genre de ça là, il en restait que 2 après moi, donc je me suis dit bon je vais pas en prendre plus. Mais ça je mange tout le temps, c'est ce que je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a pris donc des tablettes de chocolat, donc on en a pris 2 pralinés. Donc c'est ceux-là, les Nestlé, on a pris ça. On a pris aussi au lait. On a pris 4 au lait. On va faire beaucoup de gâteaux vu qu'on n'a rien à foutre. On voulait faire des muesli nous-mêmes, donc avec des pépites de chocolat, donc on va essayer de faire ça nous-mêmes. Mais voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Ensuite, on prévoit de faire une raclette. Donc on a pris de la charcuterie. On a pris 3 plaquettes de jambon comme ça. Donc c'était les moins chers, on a essayé de prendre au moins cher. On a pris de la rosette de Lyon à 2 euros. Donc celle-ci. Ensuite, on a pris 2 pizzas aux chèvres. Donc voilà, celle-ci de chez Carrefour. Il y avait plus grand choix aussi au niveau des pizzas, tout ça. Pour les muesli, on a pris quand même ça. C'est des crunchy 3 chocolats de chez Carrefour. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne. J'en ai jamais testé, je crois. Et j'en ai pris 2 au chocolat comme ça. J'ai pris ceux-là, d'habitude je prends les country crisps, mais sauf que là ça commençait à devenir cher, donc on a pris les sous-marques. Ensuite on a pris de la raclette, donc cette raclette-là, Carrefour elle est très très bien, pas la peine de prendre des marques de malade, elle est vraiment bien. Ensuite on a pris un fondant au chocolat déjà tout fait, donc comme on n'avait plus d'œufs, je me suis dit au cas où on prend une préparation comme ça. Ah bah je suis con, non, bébé le fondant, il faut rajouter 90 g de beurre et 4 œufs. Non. Ah merde, je pensais que tout était dedans. Bon bah tant pis. On a pris des pâtes, donc les pâtes italiennes. Alors là par contre pour les pâtes italiennes vous en avez plein de toutes les sortes.
Donc moi j'en ai pris, hein. Écoutez, je vois pas le problème sur les pâtes italiennes. J'ai pris des tomates cerises allongées, donc 99 centimes. On a pris du Saint-Mauré, donc pour faire soit avec les sushis, soit on va se faire un cheesecake. Donc on verra ce qu'on va faire. On a pris des avocats premier prix à 2,49€, ils sont pas encore mûrs. On va laisser mûrir pour faire ensuite les sushis. Donc d'ici 2-3 jours on fera les sushis. J'ai pris du chou rouge. Ah, il est ouvert, mince. Comme ça, donc je sais plus combien c'était, je crois que c'était 2€ quelque chose. On a pris des bâtons de berger, donc ça c'est mon petit plaisir. Je voulais du saucisson, donc voilà, j'ai pris du saucisson. Alors par contre pour le saucisson vous en avez de toutes sortes, hein. Là il y en a plein. Ensuite donc voilà, on a repris du chocolat, je sais pas si je vous l'ai dit. On a pris du pain de mie, donc il nous fallait du pain de mie pour le matin parce qu'on avait quasiment plus rien, donc on a pris ça. Pour les sushis, on a pris du saumon fumé ou du saumon qu'on fait nous-mêmes. C'est beaucoup plus cher, on se souvient la dernière fois on avait payé pour 25 balles le saumon. Là c'est un peu moins cher, c'est 5€, donc on en a pris deux comme ça je crois. On en a pris des bio, donc saumon fumé bio, 4 tranches, voilà, on a pris cela. On fait ça avec du kiri, on a pris du saumon parce qu'il n'y a plus de kiri, où il n'y a plus de fromage. Les gens ont dévalisé les fromages. On a repris des champignons. Donc voilà, moi je mange beaucoup de champignons. C'est très très bon pour la santé. C'était 3€ je crois. Ensuite j'ai pris une énorme patate douce. Je n'ai jamais vu une patate douce aussi énorme. Je voulais me faire des frites patates douces et tout au four. Parce que j'aime beaucoup ça les patates douces. Même si je digère pas trop, mais j'adore ça. Elle est énorme. Genre je sais pas si vous voyez mon bras. Regardez comment c'est gros et long. C'est hyper bien. Donc voilà, j'ai repris ça. C'était 2€ quelque chose. 2,67€. Ensuite ça je le voulais, je le réclame depuis des jours. Des chips, j'en voulais énormément des chips, donc voilà, je suis contente, j'en ai, j'ai pu en avoir. Ensuite on a pris donc des patates, c'est, on voulait faire des frites aussi, donc raclette, frites et même peut-être une petite purée. Donc on a repris des patates et on a pris avec donc l'huile pour faire des frites. On a pris du riz à sushi, alors là par contre le riz à sushi, il n'y en avait pas, les seuls qui restaient c'était ça. Et vraiment c'est super cher, mais très 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 cher. C'est 3,50€ les 400 grammes. Donc on en a pris 3. On en a pris 3 comme ça pour faire les sushis. En fait de base on en avait pour, on avait fini les courses en gros, on en avait pour 135€ environ. Et pour 150€ on avait la livraison à domicile. Alors on s'est dit bon bah au lieu de se faire chier à marcher pendant 20 minutes avec les courses, on va se faire livrer. Donc on a rajouté genre du riz comme ça etc. pour arriver à 150. Au moment où on arrive à la caisse pour les livraisons à domicile, ils nous disent « Ah bah non, on livre plus !» Ah, ça m'a saoulé. On a repris donc 3 sushis. Ça m'a grave saoulé. On a pris des coquillettes. Donc j'en ai pris 5, je crois, des petits paquets. Il n'y avait pas de grands paquets, j'étais trop dégoûtée. Donc c'est des petits paquets de 500 grammes. Voilà, moi je sais que les coquillettes, c'est mes pâtes préférées entre guillemets, après j'en mange pas énormément. Donc j'en ai repris 5. C'était 50 centimes les 500 grammes. J'ai repris des panzani, des spaghettis pour faire des pâtes bolognaises. Donc ça, c'est, je suis contente d'en avoir trouvé. J'ai repris du lait, je sais pas si vous voyez, j'ai repris du lait. Il n'y avait plus de lait bio, il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris le Carrefour normal. Et j'ai pris 3 bouteilles de Tropicana 2 litres. Voilà, ça c'est vraiment un élément indispensable pour moi, le jus d'orange. C'est plus vital que tout le reste. Je préfère acheter que du jus d'orange et le reste, je m'en bats les couilles. Que rien du tout. Enfin vraiment, le jus d'orange c'est hyper important pour moi. Donc tout ça pour 150€. Je suis outrée. Sans les sushis, ça nous fait 20€ en moins. Ça nous fait quoi, 130€ pour de la merde. Ah oui, j'ai pris ça aussi, je vous ai pas montré. Ils avaient une offre spéciale pour les pains en fait qui dataient un petit peu entre guillemets. Donc c'était 3€ pour toutes ces baguettes là. Donc nous on en a pris pour mettre au congélateur. Bichette! Bah oui, tu veux sortir, mais c'est pas possible. Donc on a pris ça, on va le mettre au congélateur. Les prix ont vachement augmenté, je le vois. Mes 4 petits pots là, c'était pas ce prix là avant. Je connais les prix à force et là vraiment c'est beaucoup trop cher. Mais bon, c'est comme ça, je sais pas. Ils profitent, je sais pas. Je comprends pas. Donc bref, je trouve que l'ambiance là-bas elle était vachement, vachement pesante, vachement... stressante. Vraiment, il y avait une ambiance de merde. D'habitude, on va à Carrefour, on prend en mode ouais, on prend ça, allez, on prend ça. Là, c'était c'était pesant. Vraiment, c'était pesant. J'ai pas aimé faire mes courses. Vraiment. D'habitude, tu vois, j'aime bien et tout. Je me dis, ah tiens, ça serait bien pour ça, ça serait bien pour manger ça avec ça. Et là, c'était en mode vas-y, prends ça et on se casse quoi. Et les gens qui toussaient comme ça à l'air libre, j'étais en mode ok, alors toi, tu t'approches pas de moi. Donc bah, voilà pour ce retour de course. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience dans les supermarchés en ce moment. Me dire comment allait l'ambiance, comment c'est, enfin s'il y a beaucoup de choses ou pas. Parce que nous, vraiment, il n'y avait pas grand chose. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo, s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Thank you.